Dis diable bonjour la manger ou. Pas dire bonjour la manger pirette. Eh bien, ancienne boyer dame nan, qui c'est madame Martine Moïse, peuple haïtien, nous songeait qui était victime dans la nuit qui était 6 pour 7 juillet 2021, pendant qu'il a assassiné Maril. Madame Martine Moïse dit très clairement, li pas logique, li pas acceptable pour que après assassinat Maril, le tout dilatoire que la justice haïtienne a fait avec enquête là. Il dit pas qu'il dans silence encore. Il décide pour prendre bateau pèlerin pour chercher justice pour Maril et justice pour pays d'Haïti et justice pour tête li tout parce qu'elle c'est une victime yo tout. Et mes peuple haïtien, Martine Moïse déplacé. Il bagaille tête chargée oui. L'a rencontré ensemble avec secrétaire général OEA, ça qui fait pas l'empile dans la République que sauter tout partout. C'est de gros causes. Il y a un document bien formulé, bien charpenté, bien monté, justement. Remettre avec Luis Almagro, qui est secrétaire général OEA, ça veut dire que Organisation des États américains. Papa, ici, la République tremble coup fait bois. Coalition d'assassins paniquée. Martine Moïse dit le pape bay vague, le pape fait bac. Parce que dit déjà bonjour, la manjou, pas dit bonjour, la manjou pirate. Mais même qu'on green baga que m'a dit. Monsieur fait carré problème. Parce que nous assassinons paysans. Et madame paysan était là. Nous décrasons parti dans col. Mais justement, les gens souffrent sous lit. Ce n'est pas volonté nous qui fait la vivre. Mais c'est volonté pour Dieu dans le ciel là, avec ça que nous parlons. Nous croyons que monsieur, nous avons un combat avec des paysans. Des gens qui ont conviction. Et surtout, avec les gens qui sont dans le grand nord. Prenons responsabilité nous. Ariel Henry paniqué. Dimitri va paniquer. Mette Newton Saint-Just, dit tête clairement, dit diable bonjour, la panjou, pas dit bonjour, la panjou pirate. Parce que li pas acceptable pour être multiple bozil, mettez au ministère de vos publics, pour ministère de vos publics, ça organise là, pour la faire complot avec Ariel Henry, directeur général DGI, ministre commerce, ministre finance, pour directeur général EDH, pour tout le monde ça mettre tout ensemble, pour faire complot, pour faire l'État haïtien, pour faire nous-mêmes, peuple haïtien, remettre Dimitri Vob 54 millions de dollars américains, plus VARE 1, VARE 2, qui c'est central l'État haïtien, central peuple haïtien, central qui construit avec l'argent pays nous. Il y a besoin pour tourner, ben Dimitri Vob, après le président Jovenel Moïse, te sont coupé contre ça, elle mourit pour contre ça. Maintenant, on dit clairement, avec la diaspora haïtienne qui décide pour constituer comme cabinet d'avocat, pour porter plainte pour Ariel Henry, pour Dimitri Vob, pour comment elle est, directeur général EDH, directeur général DGI, ministre travaux publics, ministre finance. C'est grave, oui, monsieur. Ministre finance, qui c'est Michel Boisvert, qui était là sous Jovenel Moïse. C'est jeudi, c'est Boisvert ça, qui n'a même complot. Pour faire l'État haïtien remettre Dimitri Vob 54 millions de dollars américains. Pendant ce temps, brave état là, le président Jovenel Moïse a pris une décision pour te couper contre ça. Et il a une provision légale pour que l'été coupe contre ça. Ou est-ce qu'il n'y a pas de conviction? N'est-ce qu'il n'y a pas de monde? Le décide de faire peuple haïtien, marche avec tout ministre ça. Marche avec toute autorité gang ça. Passez avec de cas en cas. Parce que c'est très important. Assassin pas de la sous monde. Gang pas de la sous monde. Criminel à costume bagarre sur monde pays ça faut que des monde qui pour prendre en charge faut que nous de nouvelles têtes qui pour prendre responsabilité yo. Et c'est des monde qui pas peur mourir qui pour mener combat ça parce que il est extrêmement difficile bataille la continue. Ben Newton Saint-Just m'a profité pour me saluer pour courage et m'a saluer diaspora haïtienne définitivement qui constitue comme avocat et m'a dit définitivement n'a pas accompagné nous dans démarche ça nous même à travers plateforme nous pour que diaspora haïtienne tout le monde pour décoller net pour mettre Newton Saint-Just jeune tout ça que l'a besoin comme l'argent OK pour que lui mener toute démarche ça honnête justement peuple haïtien pour nous aboutir avec résultat que n'a cherché pour nous faire criminel assassin au faire back sur toute décision que t'en veut prendre pour que te remettre Dimitri Vob 54 millions de dollars américains dans petit pays comme ça. Imaginez bien l'école pas ouvrir septembre ça nous est là. Yo prévoit ouvrir l'école le 3 octobre qui vient là, pas vrai? L'autre lundi qui vient là, même pas un défi pour moi moyen pour l'école ouvrir. Tellement pas de moyen dans le pays. Tellement difficile. Moun yo pas en haut, yo pas en bas.
Et le handicap fini là, pas nous mentir. Pays a tête en bas. Pas de sorti, pas de rentrer. Comme population, lance un message. Et que moi-même, je prends une action. Parce que nous prenons trop de bluffer dans le pays d'Haïti. Si que nous te prenons la rue dernièrement, nous faisons craser briser. C'est business malheureux, malheureuse qui pille. Mais je dis, moi, que nous tournons nous replier. Et que nous disons, nous allons prendre la rue en force. Nous allons attaquer exactement côté que nous devons attaquer. Justement, dans la racine problème. Non. Et bien, moi-même, personnellement, moi, Chita, je croise deux pieds, je tant résultat que nous allons chercher. Parce que moi-même, personnellement, je vais déplorer l'action que nous avons commettre dans la rue. Je ne vais pas accepter. Je vais tolérer. Et me dit ça, il n'est pas capable de continuer dans le pays. Ce n'est pas possible. Papa, ici, nous allons ensemble avoir plusieurs points qui dominent l'actualité. Et surtout, dans la démarche que l'ancienne première dame, qui c'est Mme Martine Moïse, et elle fait bon côté OEA, bon côté secrétaire général, organisation État américain, plus déclaration Jovenel Moïse, qui c'est pour le premier petit garçon, président Jovenel Moïse, côté qu'elle a rejeté et excuse que nouveau président colombien fait bon côté la famille Moïse et peuple haïtien, parce que il y a des Colombiens dans le pays, réservistes militaires pays, justement qui sont rentrés dans le pays d'Haïti pour te vintouiller le président pays qui est président Jovenel Moïse. Jovenel Moïse rejeté lui. C'est ça qui est important pour lui, c'est jeune qui finance l'assassinat papal. Et même Jean-Tou, ancien premier ministre, Dr. Claude Joseph, te fait même approche là. Il t'a accepté de demander là, mais il t'a dit ça va suffire lui-même. Ça va suffire. Ça qui est important, c'est pour le nouveau président aider aux jeunes, justement, moun qui recrute mercenaires colombiens pour que yo devine tout le président pays ya, qui est le président Jovenel Moïse. Ça, je trouve que des matchs sont intéressants et des classes sont normales. Pas rien qui dérange dans ça. Justement, je dis, madame Martine Moïse, continue sous même lancé. Parce que je pense que sous route que vous êtes là, et franchement, moi-même, je pense que vous êtes sous bonne route là. Voilà, ça dérange monsieur. Yo, n'ayez pas paniqué, même sûr que dossier assassinat Jovenel Moïse. Là. C'est exactement déclaration que ancien premier ministre la mode te fait, c'est lui qui a passé là dans la. Justice, bon Dieu, c'est cabrette bœuf. Li pas pressé. Si vous pressez, vous mettez prendre devant. Parce que justice pour Jovenel Moïse là, la marché, même j'avais cabrette bœuf. C'est justice, papa l'éternel. Papa ici, nous prenons le connaît qui choye. Madame Martine Moïse dit, dit diable bonjour, la manjou, pas dit bonjour, évidemment la manjou pirette. Et bien, nous avons diable dans les yeux, nous dit bonjour, bonsoir diable. Peuple haïtien, m'a dit nous bonjour, bonsoir tout le monde. Débat m'a dit qui côté qui l'heure. On attend de nous, on regarde nous encore une fois gens qui nous connaissent. C'est toujours un plaisir pour moi pour que m'ensemble avec nous. Ça vous me fait du bien à chaque fois que me connais. M'a fait une partage moment ensemble avec nous et que me connais nous va réagir exactement à travers commentaire. C'est là que nous pouvons dire tout ça que nous pensons, tout ça que nous comprenons, de ça qui dit dans l'émission Panouan qui passait sur plateforme Panouan qui c'est plateforme YouTube info bientôt, parce que c'est clair que eh bien, nous attendons, nous comprenons, nous apprécions ce travail-là, et bien, c'est normal pour que nous gagnions une véritable réaction. Justement, parce que l'autre côté qui nous capable de faire ensemble avec nous, c'est exactement dans l'espace commentaire-là que nous capable de partager exactement ça que vous sentez, ça que vous comprenez ensemble avec nous, peuple haïtien. Mais tout d'abord, ça qui est important, et nous connaissons qu'il y a InfoBeto, nous avons un produit qui est extrêmement important, qui c'est. Zo et Moringa Haïti qui pote produit ça pour nous. Gen zouti gen ban, mais kounya nous pote ultra gen ban. Justement, son produit qui dépasse tout autre produit honnête. Comment ça veut dire un produit qui est efficace? Ça veut dire que vous même qui sont madame qui gen marou kap febe kate na kaila. Ou pas besoin de passer par quatre chemins. Justement, contactez Moringa Haïti à travers le numéro ça pour le garder dans ce spot là. Justement, contactez vous et puis vous avez évidemment et résultat que vous cherchez hein, pour une solution avec problème kabana que marou à baou tibe kate. Justement, en nous garder ti bout. Et vidéo ça et pour avoir toute explication avoir tout et numéro 1 ou capable briller pour demander toute information comment capable commander pour dire à nous garder cette vidéo et puis nous tourner tout de suite pour nous rentrer avec M. Newton Saint-Just. Voilà, pas gain route pas bois. M. Newton Saint-Just justement avocat l'état haïtien m'a menti la diaspora haïtienne des haïtiens conséquents qui vivent à l'étranger justement ils ont contacté cabinet M. Newton Saint-Just pour que les porte plainte pour Dimitri Vob contre Sogener contre Ariel Henry contre ministre travaux publics là qui c'est Rosemont Pradel anti grand monde fini senti pourri Edmond Tibus Bozil qui mettait là pour faire complot pour voler 54 millions de dollars américains dans caisse l'état haïtien pour remettre la famille Vob. Ça sont complot contre peuple haïtien contre diaspora haïtienne. Non, mais justement diaspora haïtienne dit à payer M. Newton Saint-Just et nous on a
qu'on contribue dans le niveau qu'on est capable pour que le processus soit fait, pour que le démarche soit fait. Mais tout le monde ne sait juste pas le porter plainte contre directeur général EDH, qui est un ancien consultant de la compagnie générale. C'est pas qui grave, oui. C'est un gros complot qui a monté sur nos pays là, oui. Il va porter plainte contre Emmanuel Kaseris, qui est directeur général DGI, qui était là sous Jovenel Moïse et qui était aidé Jovenel Moïse, prend décision pour te couper contrat sous général Dimitri Vop qui était mal monté, qui a fait 12 millions de dollars américains sous nos pays, sous nos pays, chaque mois, pays. Nous prenons le gain pour nous répondre à la question de la justice. Et tôt ou tard, nous répondre à la question. Il prend pour te plaindre contre si vous finissez ça, si vous avez 74 l'année ça qui tout représente le pays, qui c'est Ariel Henry, actuellement là, qui représente la coalition d'assassins dans tête pouvoir. Ariel Henry va gagner plainte pour l'État. Juste pour payer pour ça. Et on va porter plainte contre Michel Braver, qui était là comme ministre finance sous président Jovenel Moïse et qui était aidé président Jovenel Moïse, prend décision pour qu'il te coupe le contrat mal monté Dimitri Vobla. Mais je dis, même Michel Braver, avec même visage, avec même signature, ça, a signé pour que l'État haïtien baille Dimitri Vob 54 millions de dollars américains. Qui niveau trahison que ça fait pas haïtien? Moun sa ou supposé sacrifier sous place publique. Qualité traite nationale sa ou supposé sacrifier sur la place publique. Moun sa ou pas moun. C'est des criminels que yoye, c'est des sans visage que yoye. Et problème nan, c'est des têtes grenouilles encore. C'est ça qui fait mal là, oui. C'est ça qui cause ouè, ti voyou qui n'ont les gâchis pour y sentir ça ou les bon Syriens Libanais. Pas j'aime respect pour nous comme des têtes grenouilles. Parce que rejoindre trop choule dans mitan nous, trop resta avec dans mitan nous. Ça qu'a dit c'est Michel Braver comme ministre finance qui t'a rentré dans complot contre peuple haïtien que président Jovenel Moïse t'a défendre. Nous mon pays, c'est sans visage ça yo. C'est un petit pourri senti, un petit volant sale, un petit sans sale ça yo qui vient chef sur monde dans pays là. C'est monde ça comme si là qui te propose, qui te prend visage monde bon côté président Jovenel Moïse, mais pendant ce temps, il va jamais te monde pour tout bon parce que yo c'est des voyous, yo c'est des petits vicieux, petits volants que yo t'ayé. Son complot. Mais m'a dit monsieur yo, n'a démonté complot ça et n'a démasqué complot ça, n'a bataille jusqu'au bout. Je que me dit nous peuple haïtien, mettre Newton Saint-Just, li commencer frapper. Li ba conférence de presse et que li important nous même dans faut bête pour nous faire parler avec mettre Newton Saint-Just tout. Mais entre-temps, mettre Newton Saint-Just ba yon conférence de presse hier, li font une déclaration et que nous prend le temps de l'ensemble avec moi entre avant que nous rentrer dans déclaration cette brouille dame nan, c'est madame Martine Moïse. N'a pas tendance ensemble avec déclaration M. Newton Saint-Just là pour que nous fassions des commentaires et analyser question hein, pour que nous ouais ça qui a passé dans le dossier ensemble avec les haïtiens parce que ça qui a passé là li extrêmement difficile et ça franchement ou pas gagne ou pas connait qui nous ta bali regardez pour tout nèg qui dans l'état a fait complot sous deux pays pour fouiller maintenant casse l'état pour prendre 54 millions de dollars américains pour mettre un seul petit volo qui pas gagne pour louer avec l'état haïtien. Ensemble avec le pays d'Haïti, tout nèg a fait complot parce qu'il te met gros cop dehors pour tout le président. Est-ce que nous comprenons? Parce qu'il te contribue dans tout le président, mais tout nèg qui au pouvoir, il contribue pour le mettre au chef. Définitivement, vous supposez voler ça dans l'État pour mettre l'argent. Je vous ai dit, monsieur, chat connaît, rat connaît, barrette n'a pas prêté là. Nous c'est volant, nous c'est assassin, nous c'est vicieux. Michel Braver, Emmanuel Kassé, directeur de DGI, t'es vicieux, sans visage. Ariel Henry, c'est comme une sans honte, 74 l'année. Rosemont Pradel, comme une sans honte. Dans la tête de travaux publics et de multiples bosses qui mettent pour voler l'argent qui est dans l'État. Monsieur prend responsabilité, non. Directeur général de DGI, comment est-ce que l'EDH là? Je ne sais pas si tu voles ça. Mais définitivement, la nation a pris notre pour nous, monsieur. Maintenant, Newton Saint-Just, justement, tu as fait un petit coup de glace sur ça. Papa ici, on est ensemble avec moi. Et nous trouvons qui est intéressant. Côté que l'a décortiqué le dossier, l'a dit nous exactement ça qui gagne dans le dossier. Et qui dommage que diaspora haïtienne pour le faire ensemble avec pour que nous stopper. Dommage que vagabond voir où ça a fait pour que vous volez l'argent ça dans quel état pays. Entendez mettre Newton Saint-Just, papa ici, qui t'a parlé dans le cabinet. En avance. Justement, nous avons de mettre Newton Louis Saint-Just et qui était contacté par. Par diaspora haïtienne comme avocat pour que. Il y a eu des démarches pour que nous regardions comment nous avons plainte pour assassin criminel qui a fait complot pour que l'État haïtien t'a remis Dimitri Vob 54 millions de dollars américains, peuple haïtien. En nous avons mettre Newton Saint-Just qui t'a fait intervenir dans le dossier. Ça en avance. Je voulais remercier
des compatriotes en Haïti et dans la diaspora, des organisations en Haïti et en diaspora qui contactent nous pour accompagner, pour capable porter plainte contre le Premier ministre Ariel Henry, ministre Travaux publics Rosemont Pradel, ministre Finances Michel Patrick Boisvert et directeur général de GIA Jean-Manuel Casséus, directeur général EDH là, qui c'est Erol Mourouz, qui a fait tractation pour payer à ce génère environ 54 millions de dollars américains et pour bailler tout les centrales Varo 1 et Varo 2, nous connaissons qui pas pour ce génère, c'est pour l'État haïtien. Oui. Et sous question l'agence, nous voulons dire que l'État haïtien pas doué ce génère yon gout dans le cadre contrat et que l'État haïtien est écrasé depuis en 2019. Au contraire, c'est la SOGENER qui là, nous prend 123 millions de dollars que selon un rapport en commission l'État a été campé en 2015 qui a surfacturé l'État pour 123 millions de dollars. Et là, nous prend 20 millions de dollars dans caisse BNC que M. Sarodial prend avec matériel l'État, Varo 1 et Varo 2, qui n'est pas pour eux. Et là, nous prend environ 194-96 millions de dollars que nous devons BM PAD. Donc, c'est environ 330 millions de dollars que le SOGENER doué. L'État ici, ce n'est pas l'État ici qui est doué la SOGENER. Donc, même là, Nedgiota a dit que le contrat que vous avez gagné avec l'État, eh bien, le contrat a été mal crasé. Eh bien, ce n'est pas ni Brady Fabien, ni Premier ministre, ni ministre Finances, ni directeur général et travaux publics, ni ministre travaux publics qui gagne autorité ça. Sur le qui par devant la cour des comptes. Donc, question de l'argent ça, peut pas ici en Vanouille. Deuxième bagaille, Varo 1 et Varo 2, pas pour ce génère. Local ce génère, c'est sur l'aéroport. Varo 1 et Varo 2, c'est l'État haïtien qui est. À la fin des années 70 et au début des années 80, avec l'argent nous fait central ça pour nous. Et d'ailleurs, étude qui fait montrer que entre 20 et 25 millions de dollars, ça permet que l'État haïtien à travers EDH baille même courant, soit sous général bail et e-power. Et actuellement, que l'État haïtien a acheté dans le mais le pays a des capacités pour produire et quoi ça. Donc, que ça est très clair. Si le Premier ministre Ariel Henry et ministre de la République, Rosemont Pradel, ministre Finance, Patrick Boisvert, ensemble avec le directeur général EDH, là, et Erol Mourouz, sans compter le directeur général de GIA, Jean-Manuel Casséus, décide de faire l'agence, eh bien, déjà, les actions judiciaires que nous prenons avec des citoyens pour. Contre Mounzaïo, c'est eux qui payer dans la poche et il a fait plainte contre eux dans les jours qui viennent pour corruption, association, malfaiteur et l'autre infraction encore. Et je veux que la population comprenne le complot. Imaginez-vous, il y a un ministre de justice qui a vocation générale et comment il s'appelle déjà. Bertou Dossier. Il y a un actuel directeur EDH qui est là déjà. Le sujet a fait le jeune contrat. Et là, le patron de l'EDH encore était le consultant dans ce général. Et il y a le Premier ministre, le ministre financier, et c'est lui-même qui a fait le seul objectif, c'est le 54 millions de dollars américains par ce général, dans le pays, côté que la population a un grand goût, et le professeur n'est pas capable de toucher, les policiers à Bouma avec Bandi, avec Zongyo, les policiers n'est pas capable de toucher à l'heure, et les médecins n'est pas capable de toucher. Donc, c'est ça, franchement, et c'est un crime contre la jeunesse de ce pays. C'est un crime contre l'État haïtien lui-même. Et par exemple, et je te dis, en décembre, il y a monté gaz là
pour être capable de joindre l'argent pour bailler la population au service. Nad Marinad. L'école qui est ouverte en septembre, il dit que, bon, population entreprise, pas de l'argent, il a repoussé l'entrée scolaire à octobre pour être capable et faire moyen, faire plus ouvert, plus capable de préparer l'entrée de l'école là. Et au lieu de faciliter la population, il a monté le gaz là et pas de plein encore, pas de l'argent. Il a dit ça, il a fait couper l'argent là, et depuis décembre. Et puis, il a choisi. Puis allonger 54 millions de dollars américains et bailler ce général. Nous-mêmes, nous voulons dire un bagage qui est extrêmement important. Il ne s'agit pas seulement de la ce général dans cette histoire. Parce que l'État haïtien de 2006 à 2019, il baille e-power, iTrack, ce général. Plus passer 1 milliard de dollars américains. 1,6 milliard de dollars américains. Avec l'agence A, nous tapons l'air ensemble avec Éolienne. Tout point dans trois points dans le pays, à Grand Sud, Grand Nord, Yon dans l'Ouest qui tape nous plus que 1000 MW. Il dit que le pays a besoin de 1000 MW courant. Sans compter, nous avons fait des centrales hydrauliques, même avec Pélig, et nous avons réparé les centrales thermiques que nous avons, et qui permet que le pays a sauté dans la question courant ça. Et d'ailleurs, avec la crise mondiale, concernant les questions et l'énergie fossile, on a parlé de pétrole. Tout pays a essayé de limiter, réduire la dépendance par rapport aux énergies fossiles. Il prend le solaire, il prend l'éolien, il prend l'autre forme d'énergie parce que il estime que avec le temps, pas de même quantité de pétrole là sous terre. Et de fait, nous, non seulement avec question de guerre là, mais c'est naturellement et problème ça toujours posé. Donc nous pas capable gagne chance ça, nous gagne soleil, nous gagne vent, gagne côté qui gagne vent 24 sur 24. C'est-à-dire que avec des parcs éoliennes et solaires, nous capable fournir pays à courant 24 sur 24. Évidemment. Pour qui ça nous parle là plutôt? Souvenez-vous pourquoi on parle lui, c'est pendant période ça nous parler là et on a parlé de 2006 à 2019, c'est plus qu'un milliard de dollars l'État ici en Bali. Pays n'est pas capable encore. Et si nous voulons soutenir ça, nous avons besoin de leaders responsables et d'une vision qui pour permettre que nous soutenions de dépendance et de cette mafia. Et parce que chaque mois, vous cherchez gaz, vous faites et moteur marché. Un pour exemple, gagner iTrack, qui gagne un contrat avec l'État haïtien, qui gagne un contrat avec l'État haïtien, et pour te bailler, si vous avez avec au caille courant. Et puis, nous avons acheté une génératrice environ 3 MW pour 1,5 million de dollars américains. Chaque mois, l'État ici a pour Delco, 1 million de dollars américains. Sur 12 ans, ça fait 12 millions de dollars. Environ 10 ans, on a soi-disant rencontré avec l'État ici pour bailler courant au caille avec Tigouave. Là, on a demandé à Tigouave, à mon au caille. Et là, on a bailler Tigouave. 3 heures de temps parfois on te compte baili. Donc c'est des nèg nous te fait action déjà contre yo, nous te sommeil pour te remettre l'argent à l'État haïtien. C'est environ 120 millions de dollars pour retourner dans cet état. Donc s'il est vrai que ministre de la République là le nous a péré les en moi, elle n'a dénoncé ça, lui confirmer que effectivement ce général mandé plus que 50 millions de dollars américains, plus que 50 millions de dollars américains dans le moment ça. Avec pour remettre les centrales VARO 1 avec VARO 2, comme si c'est à faire maman ou papa ou te quitter pour yo. Eh bien, il faut nous être vigilants. Il faut nous être vigilants d'ailleurs, nous exiger de gouvernement ça. À travers le ministre de la République, à travers le directeur EDH, ministre de la Finance, la transparence. Qui ça y a fait avec iTrack, avec toute la rance à pour remettre l'État haïtien. Il parle lui-même. Et dans le contrat par là, c'est 1 million de dollars américains chaque mois, des jeunes que le bail courant, que le pas bail courant. Sous Jovenel Moïse, il a été coupé contrat pour question 1 million de dollars, il va te balayer dans chaque mois, il a été payé le sous facture en attendant que Central Carrefour, qui c'est lui-même 60 MW, est capable de fonctionner. Dans le mois, il va faire test pour ouvrir Central là, parti sans bloquer. Et jusqu'à présent, il n'y a pas jamais fait centrale ça marcher. En d'addition, nous avons eu le Jovenel Moïse.
Mais l'argent, c'est l'argent pays allié, c'est l'argent nous-mêmes, tous citoyens. Faire central la marché pour permettre pays à jeune courant. Central, ça va être plus courant que ça, il ne peut pas être là. Et même et ce génie, parce que ce génie qui soi-disant a une capacité de 74 MW, et il va arriver là-dedans véritablement. Pas j'aime faire donc, il est important pour une transparence sur ça. Deuxième bagaille, et on a demandé à gouvernement, c'est pour appliquer le décret de février 2016, 3 février, côté que l'État haïtien dit, il ne peut pas acheter courant encore dans le monde. On est pour compagnons, c'est ce génère qui toujours existait. Et légalement, il voulait produire courant, il voulait prendre une licence dans le MNRC. Il n'est pas obligé à vendre l'État pour 12 000 dollars, il a fait et 7-8 millions de dollars américains par mois. Mais non. Eh bien, il peut dégager la vente courant pour tout le monde. Et pour la vente courant, on a besoin de licence, on va faire deux licences. Si vous voulez passer pour tôt pour faire ça, le transport d'électricité, il peut aller en licence, on va faire trois. Mais si vous voulez commercialiser sous quelque soit forme, il peut aller en quatrième licence. C'est ça la loi dit, il faut que le gouvernement applique. L'État haïtien pas gagné pour l'entrée de Balaise encore à l'acheter courant dans le monde. Donc, l'État haïtien, nous-mêmes haïtiens, nous pas besoin. Jovenel fin avec ça. Varou 1 à Varou 2. Pardon, M. Newton. Président Jovenel Moïse, fini avec ça. C'est fini pour que son bagage la famille ne va pas venir vendre l'État courant. C'est fini. Et c'est tout le peuple haïtien qui a mouru pour cette fête dans le pays encore. C'est sous fiel, c'est sous entraille la jeunesse haïtienne pour dire qu'il va passer. Pour le jeune l'agence, pour le jeune contrat ça dans le pays encore. C'est fini. Ou tout le président pour le jeune encore. Le pays, monsieur. Mais bah, c'est facile en pile, monsieur. Nous trouvons président et puis nous mettons toute l'équipe nous là comme Sindadjou pour le contrat encore pour faire 12 millions de dollars chaque mois. Mais ce sont son pays, pays, maman, on lit. Quand on fout que maman ti volo ça eux-mêmes. On va continuer ça, on sort de nos pays, vient sous son pays, tout monde pas à l'école, pas à route, pas à l'hôpital, la police pas à toucher. Pays en fini, mon grand goût. On s'y va à jouer poker Las Vegas. Les besoins pour envoyer quantité de millions de vliens, bali chaque l'heure, comme si sans que pas à. Franchement, nous pas à comprendre ça du tout. T'as fait ça qui pis mal là. Nous qui de nègres encore. Des Haïtiens, des têtes graines, qui sont dans le pays, qui ont joué ça pour eux, qui ont fait jouer ça pour eux. Nous, un pays facile. Est-ce que nous avons un niveau un pays facile? Je dis, monsieur, battre chien, entendre mettre, mettre Newton. Pour nous lier, pour l'État haïtien lier, et troisièmement, la loi dans le pays a dit, l'État haïtien n'est pas pour faire cadeau. La pièce pour nous encore. Pour pral et vendre ou acheter courant dans Menek, par une franchise à faire l'argent sous nous, pas oublier. C'est 12 millions de dollars américains chaque mois qui pour sortir dans la caisse l'État pour aller joindre Mounsayo. Et que vous avez courant, que vous n'avez pas courant, vous avez un projet de 1,5 million de dollars américains chaque mois. Il parle de 1 million, le pays n'a pas capable encore. Il n'y a pas de problème avec la compagnie. Ça. Le pays n'a pas capable encore. L'argent nous gagne. Commencez par 54. On a l'énergie solaire avec. On a l'énergie éolienne qui a nous garanti de 30 ans. Et des bailleurs qui disponibles, nous avons besoin d'acheter gaz. Et pour mettre dans des communes encore, pour soi-disant dire, à bailleur dans le pays, le pays, son pays qui bénit, c'est nous pas connaît l'importance. Nous ne connaît pas, disons, l'importance. Richesse que nous avons dans le pays, nous sommes capables de produire courant ça à sous place, mettre sous varou que nous avons déjà, mettre sous pellicule. Donc, nous sommes capables de 2006 à aujourd'hui à 1,6 milliard de dollars que nous avons gagné plus que 1000 MW courant dans le pays avec des formes d'énergie bien diversifiées. Donc, dernier mot, c'est que nous avons l'autre citoyen encore qui voulait exercer le droit citoyen et nous féliciter parce que pour ça, nous avons voulu faire le complot que nous avons fait là. Là, nous avons dit que le ministre de justice, Hubert Delorsy, qui est avocat sur Génère, directeur EDH, là, a quitté consultant sur Génère, directeur DGI, ministre de finances, tout le monde a travaillé pour nous. Eh bien, nous avons avoué la population à Moule Kaimoun. Mais non, nous féliciter. Et tous les citoyens qui connaissent que le recours à la violence n'est pas la solution, ils préfèrent aller porter plainte. C'est-à-dire que dès les jours qui viennent, nous, après porter plainte contre Mounsayo, pour nous dire si vous avez un goût,
c'est eux-mêmes qui prennent le pays dans la poche et qui n'a poursuivi jusqu'au bout. Voilà, c'était exactement M. Newton Saint-Just que Jaspoir Haïtien a été contacté. Alors, et pour que il était à porter plainte contre organisation criminelle, ça, association malfaiteur ça, qui montait et complot sous le pays là pour que l'État haïtien va remettre Dimitri Vob 54 millions de dollars américains dans un bref délai. C'est vrai qui est grave, oui. Imaginez, directeur EDH, tu es consultant en dedans sous pendant 12 l'année. Est-ce que vous comprenez? Même Jean-Justin Privé, tu es comptable en dedans sous pendant 12 l'année. Et au vin juin, ministère de la République qui monte dernièrement, Edmond Sipis Bozi monte, il est en complot à tout. Ariel est en complot à tout. Ministre Finance qui était sous Jovenel Moïse est en complot à tout. Ça veut dire quoi? C'est des nègres, des graines même j'avais, non? Qui a fait complot sous deux pays, sous deux l'État, pendant que tout le monde n'a pas à l'école. N'est-ce pas fait complot tout comme ça pour tout le monde qui a l'école dans le pays, non? Pour l'État débloquer l'argent pour faire, pour famille qui est capable de gérer l'argent pour voir tout le monde à l'école, non? Mais a fait complot pour aider Dimitri Vob, qui se trouve président, jeune 54 millions de dollars américains pour la jouer poker Las Vegas. Où est l'handicap qui vient là? M'a dit, papa, ici. Nous pas que droit dans bouler caoutchouc dans la rue. Dans craser brise dans la rue encore parce que pas de pas gagner pour craser encore, pas gagner rien qui pour bouler encore. Mais ouais monsieur ça, yo ka fait qualité complot ça sous de nous. Yo dit nous clairement, yo pas envie rester en dedans pays encore. Et on fait nous connaître que existence yo même son véritable problème qui est lié pour nous en dedans pays. Nous va prendre décision nous. Lundi qu'a vienne la prendre, prendre soin de nous. Ministre justice là, qui se dort c'est bientôt, c'est dans l'Ouest allié. Peuple haïtien, passez où elle? Passez où la coalition d'assassins? Passez où Ariel Henry? Nous ne sommes pas là encore. C'est fini pour les criminels. Ce dernier cop que vous avez fait avec toute l'équipe de sous nous, pour vous virer pour y aller. On prend une décision, on prend une meilleure décision. On marche sous fiel, on marche contre vous, on marche sous vous. Et puis après, c'est un papa qui délivre le pays. Parce que vous faites payer trop mal. T'as eu trop méchant avec nous. On ne peut pas manger. Au lieu de nous créer des moyens pour nous décaisser l'argent dans l'État, pour nous aider des familles, pour ouvrir l'école, dans le mois de septembre, nous ne pouvons pas faire. Mais nous, plus plutôt, à faire complot pour aider Dimitri Vob jeune 54 millions de dollars américains. 54 millions de dollars américains, mes amis. On seul courir, on s'y vole au besoin, juste parce que il était contribué dans tout le président pour nous aider pour pouvoir. Aïe, aïe, aïe. Mais je dis, monsieur, nous tous les jours de Moïse, mais il quitte un jeune garçon. Il quitte un jeune garçon qui est le jour de Moïse. Et je dis, monsieur, force ça, les jeunes, énergie ça, les jeunes, réflexion ça, très très jeune. Et nous, c'est la jeunesse en général. Tendez bien, nous, à côté de moi. Mais papa, qui est-ce qui nous touille? Moun nous touille, mais qui est-ce qui est comme petit? En tant que déclaration, ça, papa, il s'en a compris très bien. Jovenel Moïse. Jeune justice, papa, le président Jovenel Moïse marchait main en main avec délivrance. Parce que même moun qui mettait nous dans l'état que nous là en tant que peuple, c'est même moun ça qui assassinait papa. Ces messages ça m'a toujours gagné. On te gagne ça gagne un an, on te gagne ça gagne 6 mois, on gagne aujourd'hui, on peut-être gagné pendant 20 ans. Je suis dans 50 prochaines années pour venir. Je vais répéter. Je veux justice pour ne pas marcher main en main avec délivrance en tant que peuple. Parce que même les gens qui ont assassiné papa Mio, c'est même eux-mêmes qui se garant protecteur système qui mettait pays dans l'Italie aujourd'hui. Salut. Ça, c'est déclaration. Petit garçon, président pays, qui est président Jovenel Moïse, 58e président d'Haïti, peuple haïtien. Président ça que Dimitri Vob met gros cop dehors pour tuer. Président ça que Reginald Boulos met gros cop dehors pour tuer. Président ça que Matéli ouvre porte la caille, ouvre bagaille la caille. Et président justement, il fait tout nèg met des balles âmes pour que nèg al tuer. Président ça que Rodolphe Jean dit comme ça qu'elle met environ 130 000 dollars américains, il était contribué lui-même pour tuer président. Président ça que Ariel Henry organise pour être capable de venir arriver premier ministre justement. Il rentre dans le complot pour tout le président. Président ça, que Joseph Félix Badjo, talent de la Cali, le la balle coup de pique, la cherche ampliation pour le déposer Ariel Henry. Mais c'est président ça, qui quitte petit garçon ça, qui répète parole ça, qui n'a pas tendu encore une fois, peuple haïtien qui est intéressant, qui m'a invité nous tendre encore une fois avec un peu de patience. Intéressant, Jovenel Moïse. Jeune justice,
papa, le président Jovenel Moïse marchait main en main avec des dimensions. Parce que même monde qui mettait nous dans l'état que nous avons en tant que peuple, c'est même monde ça qui a assassiné papa. Ce message ça m'a toujours gagné. Quand j'ai gagné, ça a gagné un an. Quand j'ai gagné, ça a gagné 6 mois. Quand j'ai gagné, je dis, m'a peut-être gagné pendant 20 ans, pendant 50 prochaines années, pas gagné. M'a répété. J'ai une justice pour papa marcher main en main avec des dimensions en tant que peuple. Parce que même monde qui a assassiné papa mieux, c'est même lui-même qui s'est garant protecteur système qui mettait pays dans l'Italie aujourd'hui. Jeune justice pour président Jovenel Moïse, marcher côte à côte, marcher main en main avec délivrance nous comme peuple. Parce que même les gens qui touillent le président Jovenel Moïse, c'est eux-mêmes qui mettent dans la situation ça comme peuple. C'est eux-mêmes qui mettent dans la boue ça. Son gros parole. Son gros parole qui dit là, oui. Son parole grand monde qui saute dans la bouche de petit monde, oui. Son gros cause qui dit là, oui. Jeune justice pour président Jovenel Moïse, marcher main en main avec délivrance nous comme peuple. Parce que même les gens qui touillent le président Jovenel Moïse, là, c'est même les gens qui mettent dans la situation ça comme peuple. Papa haïtien, calme les yeux, non. Prends responsabilité, non. Définitivement, que des gens qui rétent, que des gens qui comprennent le système, non. Que des gens qui décrivent le système, non, pour nous. Que des gens qui décrivent le système, non, tout uni pour permettre à la population de comprendre très très bien. Parole ça, yo, c'est la vérité. Et m'pap ban menti, si Jovenel Moïse pas sous route changement pour peuple haïtien, pas sous route changement pour pays, n'est que pas katouyel, il pas touyel. C'est seul recours que vous avez gagné que comme c'est dit rivé dans niveau pour assassiner le président. Parce que ouais monsieur, a retiré système dans bas mais on pas contrôle yo. Mais ça tourner l'état par peuple là. Et là l'état tourner par peuple là, pas gagne capable de faciliter pour faire 12 millions de dollars américains chaque mois. Pas gagne capable comme si peut-être ensemble pour faire 42 millions de dollars américains chaque mois. Pas gen garot dans l'état encore douane sous contrôle, tout bagage dans pays sous contrôle, ça veut dire que pas gen blanc avec cap vinn passer l'autre dans pays encore. Joindre justice pour président Jovenel Moïse, marcher côte à côte avec délivrance nous comme peuple, parce que même moun sa qui mettait dans situation ça, c'est même moun sa qui assassiné président Jovenel Moïse. C'est gros parole, oui, c'est gros parole. Mais kounya, ça qui est important, moi même dit nous c'est dans dossier moi quoi ça à 100% qui a cassé dans les États-Unis d'Amérique, ça c'est clair. L'a cassé dans les États-Unis d'Amérique, c'est un dossier, franchement. J'espère que Joe Biden comprenne ça. C'est un dossier qui a cassé dans les États-Unis d'Amérique. Et que un président assassiné en bas bouche noire, environ 1h45 minutes de Port-au-Prince à Miami, Florida. Administration Biden en place. Pas de rien qui dit, pas de rien qui fait. Et jeunes haïtiens comprennent. Et la jeunesse haïtienne décide pour rentrer dans la politique avec tout sang froid, toute force, malgré tout enjeu qui est là-dedans. Mais ils n'ont pas peur. Ils décident de rentrer, aventurer dans la politique. Parce qu'ils croient qu'ils ont aussi avenir pays. Définitivement, ils connaissent la réalité. Ça. Et le président Moore, qui est petit, qui est très jeune, qui comprend la réalité, ça veut dire que moi-même, je suis là pour notre dimension. Je suis là pour notre dimension. Et je ne vais pas mentir. Et bataille là, elle est centrée. Elle est centrée avec des gens qui ont tête. Avec des gens qui ont un homme, avec des gens qui ont une conviction, et avec des forces qui sont très jeunes, elles sont en c'est ça que moi-même dit. Lundi, quand vient là, il faut que la population ne rentre dans la logique crasse et brisée. Mais sauf que, rentrer la caille politicien, rentrer la caille ministre qui a fait complot pour l'État haïtien, bail Dimitri Vob, combien de millions, 54 millions de dollars américains, gérer dossier ça, et puis automatiquement, l'opération s'est finie. Et puis, nous avons façon de retirer rien dans une tête pays pour nous mettre justement. Il y a un gouvernement qui pas plus que 4 mois. Moi, j'ai 4 mois, je me dis. Il y a des gens qui parlent à faire de 12 mois. Même pas même venir à 12 mois, même 4 mois. Si, par exemple, c'est le dernier recours que nous avons pour nous pour 12 mois, 12 mois, dans 2 mois, dans une sécurité, dans 3 mois, processus électoral a commencé, référendum a commencé à faire, justement, et pour ça a commencé clean. Je suis capable de prendre un peu de bouette, baler un mal clean pour le presse, à travers l'opération, on paye un bouette, on balé. Justement, pas de problème. Mais, si c'est l'autre bagage grand 5 après que m'pap la dan et m'pap quitter diaspora haïtienne dans rentrer la dan tout parce qu'il est pas acceptable trop complot. Et si c'est nèg ça qui dans politique depuis 10 d'temps depuis 36 années qui vient faire complot comme si ndadjou comme moun qui véritable problème non en même temps qui pense qu'il vient participer dans solution du mais qui vient pour des solutions pour nous pas prendre parce que ça l'a fait chaque année l'a fait nous écrasons pays et puis même qui écrase pays vient chercher son tabou tendez ou pas une solution sur qui base ou pas connaît. Nous n'avons jamais une formule pour une solution, c'est une formule crasa que nous gagnons. Quittez papa ici, j'ai une solution avec le problème. Non. Parce que c'est nous le problème non, comme politiciens traditionnels. Évidemment, je vois le Moïse, je continue ensemble avec vous. Je demande à papa ici, continue de tendre avec un peu de patience. Déclaration, jeune homme, ça, c'est intéressant. En avance, je vois le Moïse. Ça, c'est important pour nous comprendre.
Est-ce que nous sommes capables de dire ou pas changer par rapport à ce que tu dis nous, la première fois que tu parles ou tu es intervenu sur l'émission ça, ou tu dis nous, on n'a pas aucun projet politique. Est-ce que ou toujours qu'il y a des paroles ça, il n'a pas changé? Toujours pas changé. Et là encore, c'est un autre point important. C'est même tout à l'heure, nous avons parlé de ça qui a circulé sur les réseaux sociaux, qui fait qu'on le fait que Bat présent hier, donc son discussion d'ailleurs, moi-même ensemble avec lui, même on prend pas en commun accord ensemble avec le reste de la famille. Ça, c'est des points que Mounio justement mettait devant pour retirer le focus sur ce qui est important, qui c'est qu'il y a justice. À chaque fois que je prends la parole publiquement, justement, les réseaux sociaux commencent à parler, je vais aller Moïse, prochain candidat, ceci, cela, etc. C'est parce que le dossier est dans ma rêve. Pendant 40 dernières années, lier visage au monde, image au monde avec politique, c'est de dire que le monde n'a pas gagné sérieux pour le dos, parce que vous diabolisez n'importe quoi qui fait politique dans le pays. Donc, à partir du moment que vous allez vous faire passer pour leur futur candidat à la présidence, c'est justement pour faire comprendre que pas rien qu'un intérêt m'a défendu, même pas rien qu'une justice m'a défendu, c'est bagage politique qu'on m'a monté. Eh bien, non. On dit publiquement, non. Je n'ai pas jamais gagné envie de faire politique, et d'autant plus que ça se passe pas pendant la faire politique. Non, je n'ai pas envie. Et vous n'avez pas envie pendant des décennies qu'on vient. Au cas rappelez-nous qui sortait contrôlé pendant pas porté président, qui projet vous avez dirigé vous-même? Projet personnel. Tout ça me d'a fait, c'était business. Personnellement, je n'ai jamais dirigé de projet gouvernemental ou bien pas jamais de titre officiel ou je ne sais pas, titre formel. On n'est pas capable de gérer un projet qui est le compte pour papa ou bien pour la présidence ou bien pour. Même dans, le domaine de compétences où Jovellin, parce que l'Europe a parlé, l'Europe a intervenu comme le monde que vous ne connaissez pendant que vous parlez de président, tout le monde unanime à admettre ou à reconnaître que c'est un jeune homme formé qui nous parle. Même dans le domaine pour là, ou pas gagné que côté responsable pendant la présidence papa. Non, parce que je me dis tout à l'heure, c'est un choix familial. Je me dis, c'est lui qui va rentrer dans ça. Et il connaît justement la possibilité de vous détruire. Il va passer probablement à ce que tu as pas en train de changer de place. Mais après, il est tout image, il est diabolisé. Mais nous-mêmes, il faut nous continuer à vivre. Donc, il demande nous justement, tant qu'il peut être consacré à sa carrière. Et c'est sûr que, j'ai dit, fouille pas tomber, pas tomber loin, puis bois. Donc, c'est très difficile. Moi-même, il y en a pas qui fait mal par rapport à la disparition, papa, par rapport à l'assassinat. C'est que petit, moi, pas bien profiter de sagesse, papa. Parce que petit, pas bien 3 ans, les papa, moi. Parce que papa est extrêmement sage. Donc, je dis, il est son bibliothèque ambulante. Il a tellement de connaissances, de sagesse, il a un conseil pour chaque balai, pour chaque étape pour traverser l'envie. Donc, moi, c'est fouille. Papa, c'est lui qui produit, mais c'est comme ça qu'il produit chaque monde qui va côté, c'est comme ça qu'il produit tout petit. Donc, justement, c'est pour ça, pour moi-même, pendant cette éternité difficile, pour m'en garder même dans la presse, pour n'avoir pas vivant, qu'à diaboliser, qu'à faire comprendre que c'est un incompétent, qui est une expression imbécile heureux. Donc, moi-même, j'ai utilisé le mot, ça, contre le président de la République, donc il m'a dit qu'il n'y a pas de respect pour le pays, mais bref, c'est juste pour nous dire que, écoute, Bande fait travailler très bien, ni en tant que président, ni en tant que père de famille. Et moi-même, avec bagage intellectuel que l'était dans moi, oui, nous parlons pile, nous discutons sur plusieurs décisions, nous discutons sur effets, nous discutons sur problèmes. Donc ça permet que nous aiguisions façon de penser et puis ça amène une nouvelle idée. Mais ça a été le plus proche que j'ai été de la politique. Donc, j'aime bien un bagage spécial pour me faire par-dessus ça me zoot douille. Et en plus, m'a rappelé très bien, à chaque fois que je me dis proche, papa, lui, il a très bien compris qu'il était entouré par des gens qui travaillaient pour ce système. Avant, il était rassuré que je m'éloignais un peu. Non, pas venir dans tout côté pour aller, pas venir dans tout campagne, pas venir dans tel côté, pas venir dans tel côté. Pourquoi? Parce que il y a des gens justement qui ont besoin d'oreilles, ou qui ont besoin d'une impression qu'ils ont des oreilles, parce que c'est capital économique, ça. Parce que c'est world, ça. Parce que c'est job, ça. Donc si moi-même, moi, présent, c'est parce que c'est une bonne place, mon bizarre. Donc tout le monde était à distance, moi, j'étais à distance, mais en même temps, mon père, il savait exactement ce qu'il faisait. Et écoute, jusqu'à son assassinat, moi-même, j'ai une ferme conviction de 7 juillet 2021 à 7 février 2022, c'était une période cruciale. Et tout le peuple va comprendre,
dans quel niveau on a travaillé pour eux. Le gouvernement est dirigé par un système. Donc les membres du gouvernement, la majorité membres du gouvernement, membres de l'État, ils ont travaillé pour le même système, là, direct ou indirectement, conscient ou inconsciemment, ils ont travaillé pour eux. Et délivrance, nous, en tant que peuple, passer par compréhension de point ça même. Point que, là où on a une illusion, on dit nous, mais tel pour nous lapider, c'est lui-même qui cause que nous avons tout le problème, ça, c'est pour qu'on focus nous, pour le mettre sous un groupe monde, sous une série de monde, sous un président. Tandis que nous-mêmes, nous avons focus nous sur eux, ils sont libres de tout jugement, de tout jugement, ils posent action, ils continuent à enrichir, ils continuent à protéger l'intérêt. Donc, il est important pour nous comprendre ça. Donc, c'est sûr que avec réflexion, ça, nous comprenons pour qui ça, pas de monde ou pas d'un pile monde, par exemple, je veux dire, pour le cas, si c'est des monde qui devait aller pour te balayer en disant, faire qu'on est vraiment libre à l'église, mais s'il va pas la rue. Ok? Donc, c'est parce que justement, le système n'a pas contrôlé ou agir même à l'intérieur. Donc, ça, c'est pour une partie question, mais vraiment focus sur lui. Deuxièmement, c'était, est-ce que vous avez répété pour moi, Wendel? Est-ce que vous présentez pas pour comme un monde qui pas prend conseil? Qui pas tant de conseils, qui pas fait cas de conseils avec vous. Est-ce que Mounsa a présenté, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ça livré? Est-ce que, par exemple, il y a un conseiller qui vont parler de conseils, puis quand on a allé, il dit, ah, pour qu'il peut être même faire cas de ça, dit en même. Par moment, on a dit que c'est exactement le contraire de ça, on dit. Par moment, l'état des conseils des mondes qui venaient dans le trou, l'état des beaucoup trop souvent. Et avant, moi, il était conscient de ça. Mais, un bon exemple qui s'est parlé de la nouvelle constitution, qui n'a plus d'actualité, pas le monde a parlé de ça. Qui haïtien qui peut comprendre que c'est une nécessité pour changer la constitution ça, parce que c'est base loi à la vie sur les. Si nous devons changer façon la vie, donc changer base loi à la vie sur les. Alors, tout le monde est d'accord, oui. Tout le monde est d'accord pour que la constitution supposée peut-être une façon que tout le monde a un mot pour dire ça. Oui, mettez des comités sous place, permettre qu'il y ait plusieurs révisions faites et tout. Donc, le propre nom qui est président, parce que nous devons comprendre que le président, après tout, reste un homme, c'est le commun des mortels. Justement. C'est un homme qui a une émotion, qui prend une décision, et justement qui est en mesure pour voir les gens à bas le conseil qui peut mener la direction que je voulais aller, à la direction pour justement respecter l'intérêt du peuple. Autant qu'à imaginer. Quelques conseils que tu as dit, papa, que non, il ne faut pas travailler sur ces nouvelles constitutions. Alors, c'est difficile pour nous-mêmes en tant que monde, nous avons mis en place président pour nous côté conseil. Donc, c'est pour ça que nous, à l'élection, même si tu as l'air de dire nous sommes obligés à l'élection, parce que c'est déjà sélectionné le plus souvent. Mm-hmm. Donc, c'est pour nous à choisir. C'est pour nous à choisir un monde, justement, où tout le monde a dit abandonner le peuple, qu'a campé avec le peuple. Donc, et tout le monde, il n'y a pas mineur, c'est conseillé, parce que justement, nous retrouvons dans le premier point. En pile dans le monde, majorité du monde qui est dans la machine administrative de l'État, qui est dans le gouvernement, le problème pour le système, le conscient, que le conscient, ou bien inconscient de ça, que a fait le volontaire ou involontairement. Donc, à un moment donné, nous attendons que le président nous ait un juge, il ait un. On dit assez connaissances, assez paramètres normaux pour prendre des décisions, même si tout le monde a dit pour des décisions qui allaient à l'encontre de sa responsabilité. Et l'assassinat avant le 7 juillet 2021 montrait que, avant d'avoir une vraie direction, parce que s'il n'a pas pris la direction, ça, je suis pas dans l'obligation pour faire ça. Jamais. Ça, pour moi, d'accord, c'est avec lui. Si l'empereur Jean-Jacques Dessalines n'a pas pris la direction pour être le peuple, donc ça veut dire. Faire des formes agraires dans le profit de l'ancien esclave, il n'y a pas qu'à faire complot pour assassiner le peuple rouge. C'est parce qu'il est dans la bonne direction. Et jusqu'à présent, plus de 200 ans plus tard, nous-mêmes, petits esclaves, n'ont subi conséquences assassinat Jean-Jacques Dessalines. Parce que justement, il n'a pas réussi, pendant que le dernier pouvoir, à mettre l'intérêt du peuple là, avant l'intérêt de tout le monde qui a assassiné le peuple. Il était où elle était proche pour faire, il a besoin de bouton de panique, il a agi en urgence. Donc c'est la même chose. Si on va rentrer dans la chambre, papa, il va falloir essayer de nous lire le rapport police judiciaire ici. Justement. Il a touché papa 12 fois. Et la raison, morale, j'ai dit dans le rapport, éclatement du cœur. Donc il m'a massacré. Si on va arriver là, si on va arriver dans la limite, ça, c'est parce que papa m'a dit dans la bonne direction. Enfin, c'est très important parce que sinon, la mourir en vain. Il faut nous comprendre que nous sommes dans la bonne direction. Il faut nous comprendre que la bonne direction est possible.
Si nous tenons dans le début de la conversation, nous avons demandé est-ce que nous pensons possible pour le gouvernement de délivrance. Oui, il est possible. Parce que si le monde qui a empêché nous progresser, qui a empêché nous poser base pour le développement durable, qui a obligé à assassiner le président nous en train de changer pour faire, c'est parce que c'est possible. C'est parce que le président nous était sous voie pour faire. Maintenant, ça peut nous faire en tant que peuple, pendant que le monde a réfléchi, c'est pour nous garder. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Quand on va parler? Nouvelle constitution, élection. On est capable d'aller, on est 24 sur 24, ça c'est base développement, base infrastructure, barrage hydroélectrique, c'est base développement, ça gère nos places. N'a pas les grands pays, nous tellement de problèmes que nous ne sommes pas conscients de ça. Haïti c'est le deuxième pays qui a plus subi les effets du réchauffement climatique. Donc ça veut dire nous ne sommes pas même capables de planter, nous avons des cyclones toute la journée, inondation toute la journée, tout le monde n'est pas construit. Et nous avons un président qui décide de mettre des centres de gère nos places, qu'on est capable de faire des pépinières, qui sont capables de reboiser les pays. Personne ne parle parce que ce n'est pas important. Parce que justement, permettons ça vous dire, Wendel, la majorité des médias est contrôlée par les éléments de ce même système. C'est vérité. Donc c'est ça que fait réussir. Diaboliser, papa. Quand on va pas mourir, on peut pas gonner au monde qui te remet. Donc, vous avez dit ça plusieurs fois. Même qui publiquement te supporte, papa, pendant ta compagnie, qui dit que vous avez fait une erreur. Ils font IOL, ils ont été supportés, ils ont mis au compte que, ah non, ils ne peuvent pas supporter, c'est un président incompétent. On n'assassine pas un président incompétent. Un président incompétent, on le maîtrise, on le dirige. Il dit qu'il s'appelle faire le ballon. Ça, c'est un président incompétent. Justement. On n'assassine pas un président incompétent. Sous-réussi, assassiner, si ces graines options sont organisées pour empêcher de mettre le peuple en intérêt de pauvre, c'est vraiment parce que tu as travaillé pour intérêt de peuple. Non, en fait, avant de faire l'émission, ça avec vous. Alors, moi-même, je voulais non, et comprendre évidemment la dimension que Jovenel Moïse a parlé. Hein, parce que ça est extrêmement important. Qu'est-ce que je me dis l'important? N'est-ce que tu es un président? Il prend pour un jouet comme si rentrer la caillou président de la République, comme si même Jean qu'on a fait, tout n'est pas citoyen, paisible dans la rue, hein, de ne pas d'accord ensemble avec eux, ou juste rentrer, ou comme si vous voyez bandit à la falle fusil. Mais les gens prennent le temps, ils prennent le sang, ils assassinent le président. Après ça, ils font tout le président. Tout est organisé, tout est normal. Tout va bien dans le pays. Comme si Dimitri ne va pas organiser pour faire l'argent, limiter la justice. Tout est marché dans le pays. Je dis, monsieur, ça comme toujours aller. Interview ça que Jovenel Moïse te fait avec Wendel Théodore. Pour les gens. Je vais aller pour nous. Et je vais aller bien spécial pour Matéli. Pour faire les gens, ouais. Moun nous touye ya comme président, moun gren kel kite comme petit. Mba me parle de nous parler de madame ni. Moun gren kel kite comme petit. Pour nous exactement qui est-ce qui est en face nous. Pour nous si combat sa quoi fini. Et sa cause m'a dit ou même kapte dem kapte dem la. Qui sont haïtiens conséquents. Qui se famis amis plateforme YouTube Info Berto. Pas pressé avec question justice pour Jovenel Moïse. Pas pressé avec justice pour peuple haïtien. Même je la monte dit là. Justice l'éternel là, c'est cabret de bœuf qu'il y a, il n'y a pas pressé. La penche a pas tortue. Et me garantis non, n'a pas délivré quand même. Moi, quoi ça, n'a pas délivré quand même. Et pas n'importe qui moyen n'a pas délivré. Et faut que le peuple prenne responsabilité. Jovenel Moïse, fin de sa peuple ici. Survoler des messages qui sont qui publiés et qui dans la rue, il y en a pas qui t'ont retenu l'attention. C'est le fait que dit le fils aîné du président assassiné, Jovenel Moïse, t'a fait des révélations, mais t'as gagné des informations que jusque-là, il n'y a pas gagné avant. Il y a plus de monde qui a cité, dit qui est impliqué de près ou de loin dans l'assassinat et papa. Je vais poser une question pour m'en donner des bagailles que je connais que d'abord, qu'on n'est pas capable de dire. Deuxièmement, qui est capable d'entraver. L'enquête, mais qui ça ou capable de partager avec nous? Quelle information qu'on gagne, qu'on vient de gagner, qu'on n'a pas gagné avant, et qui mérite partager avec le public? C'est à qui ça? En fait, l'information que je viens de gagner, malheureusement, pas partager avec le public. Là, parce que c'est aussi simple parce que justement, ce deal, nous avons une enquête en cours, il faut quitter le temps pour la justice faire travail. Ça, moi-même, m'a continué de dire public, là, et m'a dit aujourd'hui encore plus calme que je me dis avant parce que il y a plus de recul. Moi, je suis calme, je comprends, m'analyser. C'est le marathon que nous avons dit tout à l'heure, c'est pas un pouce 100 mètres pour nous mettre en cours de fini, nous pas précis. On a pas le temps, nous, il faut faire un travail à faire entre nous.
Ça m'a dit, public, ça m'a dit, peuple haïtien, je suis tout jeune, c'est pas le problème, nous vivons dans un pays que la majorité de la population a 40 ans. Je sais que c'est un peuple qui est plus jeune qui existe sous le Donc, je m'a parlé de l'épargne avec les jeunes, prioritairement. C'est que bien espoir, la possibilité. Pour nous jouer justice, premièrement, et je le dis plusieurs fois, mais malheureusement. Ce qui est important que nous devons connaître, son bataille qui est très jeune. Et nous avons fait avec une série de monde faciles là-bas. Une série de monde fini. T'as quoi, il y a 74 l'année, 75 l'année. Ça fini. Il va garantir 7 ans dans la ville encore, comme s'il a vécu encore. Matéli qui est dans la soixantaine. Il va garantir 10 ans la vivre encore. Parce que douleur ça. Ou bien pour que vous ayez un assassinat, président. Ou bien pour que vous ayez un. Comme si ça, comme s'il y a un domino. Et puis c'est qui dans tout le président Jovenel Moïse, ou pas que nous vivre à l'aise. Et il faut nous créer des conditions comme peuple pour nous faire ne pas à l'aise dans la vie. Parce que assassin pas que nous à l'aise. Place criminelle c'est dans la prison, ou bien assassin tout. Maintenant, nous ne sommes pas à l'aise, nous ne sommes pas à l'aise. Et nous ne sommes pas à l'aise, c'est délivrer ce peuple haïtien. Nous ne sommes pas à l'aise, c'est faire le pays nous marcher bien. Jouer la vérité dans ce qui est pour avec l'assassinat du président Jovenel Moïse, c'est délivrer ce pays d'Haïti. Papa ici, il y a nous infobeto. Nous sommes des grands. Nous prenons responsabilité dans quatre batailles pour nous délivrer le pays. Nous avons rendez-vous après-midi en même. Pour l'émission qui passe sur la plateforme YouTube Infobeto à partir de 6 h PM. Partagez l'émission ça. Commentez, likez, sur mes travail là. Moi, je vais nous en pile. Que belle la balague. Infobeto.